Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de la série du jeu Minecraft Aventure Survie. J'espère que cette aventure vous plaît. Donc dans l'épisode 4 il y avait beaucoup de rebondissements et j'ai perdu tout mon équipement, on a dû tout refaire. Mais heureusement j'ai gardé mes épées et mes pioches donc et la cisaille, donc on a très vite pu récupérer. Donc on va commencer cet épisode 5. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? Bon, déjà on va cuire. On va cuire. On met... j'ai pas de bois. Bon, on va faire du pain. Mon pain que j'ai perdu, hein, pour ceux qui veulent savoir. Tout ça à cause d'une grotte. Très déçu. Alors là, on va vite, très vite, se faire des bâtons. Tant pis, on prend pas le bon outil, c'est pas très grave. Yes. On va être rapide. Parce que les bâtons, là, on en a vraiment besoin. Voilà. Ouais, donc on a une araignée. Moi je vous propose qu'on attaque. Voilà, au moins on a pu récupérer de la ficelle, du fil. Donc là on a eu pas mal de bois. Les araignées, elles n'attaquent les joueurs que de nuit, hein, pour ceux qui veulent savoir. On sait jamais. Voilà. 4x4, 16, ce sera pas mal. Et là, on met tout. Donc on a 64 torches, on a un stack complet. Bon, déjà ici, je vais mettre mon fil. Excusez-moi, cliche tous. La laine ici. Ça là. Ici, on les met ici. L'œil, on va le mettre là. La terre, non. La terre ici. Le bois, on se le garde sur nous. Et le charbon, on le met là. Voilà, tout a bien été mis. Moi, je vais tout de suite éclairer tout le village. Bon, avant, je vais tondre. Pour empêcher les apparitions de monstres, je vais sécuriser mes grottes aussi. Les grottes qui ont vraiment besoin d'être sécurisées. Très important. Surtout que vu tout ce que j'ai, je peux le faire. Là, je pense que vous voyez comme moi un zombie. Bon, là, eu. Quand les monstres peuvent apparaître, là ils ne pourront plus apparaître. Ça on va couper, on va casser plutôt. Là. Donc là on a un nouveau filon, j'en mets vraiment partout hein, comme vous pouvez le voir. Là elle attaque pas. Bon là elle attaque parce qu'on l'a attaqué. Donc on récupère tout. On exploite et on s'en va. On exploite le fer. Attendez, j'ai entendu le bruit d'un zombie. Ça, il n'est pas tout. Pas ici. Les zombies qui attaquent tout le temps. Ils attendent pas le jour. Non, pas la nuit plutôt. Donc là, je parle pas trop. Je détruis.
Là, on va vite après retourner, parce qu'on va, si on perd ça, bon déjà ça c'est bon, au moins on en aura en cas de besoin. On a juste à suivre les torches. Donc là, je serais déjà mort s'il ferait nuit. On ne voit strictement rien à rien. Ah, il est là l'escalier. Et puis après, on suit nos torches. Voilà. C'est fantastique. Donc là, c'est bon. On a bien repris l'aventure. Donc là, maintenant, je me donne un défi, ne plus mourir. Parce que il suffit d'un jeu de 2 minutes d'inattention et puis c'en est fini. Alors, on a beaucoup de minerais. Où est-ce qu'il est? C'est moi, ou ils ne m'ont pas donné ce que j'ai récupéré. Donc on va tout de suite y aller. Là, il y a eu un gros bug, je crois. Bon, ça va être la nuit, donc on va plutôt le faire après. Il faut attendre encore. Avec tous les messages qui s'affichent. Bon, on attend encore un tout petit peu. Voilà, là on peut dormir. Ça y est, c'est le matin. Le soleil se lève. On va faire les récoltes. Ne pas sauter. Oui. On replante à chaque fois. Ici, c'est bien mûr. Ici aussi. Ici aussi. Ici, pas encore. Donc, très pratique de vivre dans un village. Mais c'est pas normal qu'il m'ait pas donné mes ressources. Franchement, je ne comprends vraiment pas. Ah si, ils me les ont donnés, je n'ai rien dit. Les 24 charbons sont bien là. Désolé. Ça va nous permettre de faire des torches. Pour ça, on va couper. Avant de couper, ben, on va créer une pioche. Alors, je crée la pioche et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai ma hache, pas la pioche. On va remplacer ça comme ça. En attendant, on va mettre ça et un petit morceau. On va en mettre deux. Au moins, on sera sûr. Oui, on va aller couper le bois. Ça va beaucoup plus vite. Non, parce que le bois qui est très important à couper. Donc, ceux qui aiment bien les pièges, donc le bois qui est une ressource qu'il faut tout le temps avoir dans Minecraft, j'ai un arbre explosif, donc un excellent piège. Vraiment, si vous voulez troller, n'hésitez pas à aller checker la vidéo. Bon, j'ai pas non plus des millions de vidéos, donc je vais pas vous mettre le lien. Vous tapez dans ma chaîne en recherche arbre explosif. Et vous le trouverez. Donc n'hésitez pas à aller checker. Voilà, donc là déjà ils pourront pas se cacher. Donc c'est pour ça que c'est très pratique. Voilà, donc là on va absolument. Voilà. Se faire un escalier. Ouais, donc on va tout vraiment se faire. D'abord, on va tout mettre ici. Et on récupère tout. Les escaliers qui sont très utiles. 4, à mon avis, ça suffit.
Enfin, on va le mettre à la place de ça. Et puis après, ce sera fini pour cette vidéo. On va faire comme ça. Comme ça. Voilà. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Puis pourquoi pas mettre ça. Et on a une entrée un peu plus jolie. Voilà. On va mettre donc ça à l'intérieur parce qu'on n'en a pas encore besoin. On va mettre là. Ça, on va en prendre une partie qu'on va mettre ici. 9, ça suffit. Le charbon, on en a beaucoup. La laine noire, ici. J'ai beaucoup de ressources, donc je trie. Ça, on va le mettre là, c'est pas important. Les yeux d'araignée, ici. La terre, ici. Ouais, donc là, on est pas mal. Dans le four, on a nos deux lingots de fer. Avec ces lingots, il m'en faudrait encore un. Bon, on ira le chercher dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. N'oublie pas de liker, de mettre un commentaire et de t'abonner pour plus de contenu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.